Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont la journée, pour ceux qui ont la soirée, bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, immersion à Mzoisia, d'accord ? Le village de Mzoisia, immersion. Allez, je vous souhaite une très bonne immersion et une très bonne fin de journée pour certains et certaines d'entre vous. Allez, c'est parti. Allez, immersion Mzoisia, on est parti. Allez, n'hésitez pas à partager les amis, partager le live. Alors, essayez de se faufiler un peu. Alors, soyons curieux. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, rien de particulier, des habitations. Ici, c'est que des habitations. Ok. Allez, partagez les amis, partagez le live. Mzoisia. Ah. Ah, ici c'est une propriété.
Alors, on va regarder un petit peu la map. Donc là, ici, on a une partie haute ici, d'accord. Ce qui est sur ma gauche, les quartiers qui sont sur ma gauche. On va regarder un petit peu la gauche. Après, on va descendre le côté plage. Mzoisia, les amis, Mzoisia. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Habitation. Toujours des épaves de voitures, un petit peu partout. Ah, des déchets qui datent. Ah, les batteries, là, ça fait longtemps que c'est là comme ça. Hein. Même le Feliki qui vient dessus, le Feliki Batata là, qui reprend le dessus. Alors, ici. Ici, c'est que des propriétés. Ouais, c'est que des propriétés. Que des propriétés. Bonjour, bonjour, salam alaikum tout le monde. Salam alaikum ceux qui sont de Comores, Anjouan, partout dans le monde. Donc aujourd'hui on est dans le village de Mzoisia. C'est une petite ville, d'accord, enfin un petit village, pardon, au sud. Alors ici on a le quartier qui est côté haut vers la forêt. Alors est-ce que si on monte un petit peu plus, il y a des quartiers ici, il y a quelques construction, je sais pas si c'est des bidonvilles ou pas, je ne sais pas. Ça va, quoi. Alors qu'est-ce qu'on a ici si on fait le tour? Ah voilà, une petite surprise, une épave de voiture. La hantise. La hantise. Ah, là-bas, c'est une propriété. Route non goudronnée. Voilà, deux épaves. Celle-là, ça date depuis X et X temps. Hein. Ah, tiens. Une petite moto, ici c'est une zone de décharge. Ici c'est une zone de décharge, alors voilà. Je vais descendre un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Ben, ici le constat c'est sur la rivière. Ben, la rivière qui est un petit peu sèche. Là vous voyez, petite moto ici qui va finir à la plage après. Bon, on a fini de faire le quartier qui
qui est sur le côté vers la forêt. Là, on va prendre le quartier qui est vers la plage. Allez, on n'hésite pas à partager le live ici. Bon, alors gros point, déjà on commence par ici, quelques déchets, les déchets, voilà, déchets, c'est même pas coupé, hein, c'est même pas taillé, rien du tout. Et là, le petit jackpot, no comment, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, aucun problème, hein, les amis, c'est normal, d'accord. C'est normal, à Mayotte, c'est normal, là c'est normal, toute la colonne, là, c'est normal, tout ça prend de la place pour rien du tout, hein. Dites rien, moi, je montre juste le constat, voilà, mais il faut rien dire, ça fait des années que c'est là, mais ça gêne personne, hein. Ça gêne personne, vous voyez ce que je veux dire, ça gêne pas, il n'y a pas de souci, aucun problème. Alors ici on a le côté de la plage, là-bas au bout on va descendre, hein. Là c'est la plage, je vais pousser quand même jusqu'au bout. Là ici on a le panneau de sortie Nzoisia. On a le panneau de sortie qui est là. Mais moi, c'est pas le panneau de sortie qui m'intéresse, c'est les déchets. Les déchets qu'on a ici. En l'occurrence, celle-là. C'est dommage, quoi. C'est dommage. C'est vachement dommage de découvrir cela. Voilà. C'est pas ramassé depuis X temps, ben ça va rester là, hein. Ça va jeter, les gens y jettent, ça s'accumule, et puis à un moment donné ça arrive sur la route, et c'est à ce moment là qu'ils comprennent qu'il faut il faut enlever, quoi. Donc ici pour le côté de la plage, pour le quartier qu'il y a sur le côté de la plage, je vais commencer par la plage et après on va arriver dans le village du côté de la plage. Alors ici, petite forêt, il n'y a personne. On a quand même de la chance d'avoir la plage. Voilà, vous voyez la plage, hein. On a cette chance d'avoir la plage. On a très belle plage ici. Voilà la plage de Nzoisia, je vais vous la donner en grand format. Vous voyez, on a la route en haut.
Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à la plage de Mzoisia. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes à Mayotte, la plage de Mzoisia. Voilà ce que ça donne. Une petite vue 360. Et on part dans cette direction-là, dans le village. Ici, on a une très belle plage, les amis. Je pense que vous la voyez bien. Elle est à peu près assez correcte en matière de déchets. Donc, c'est à peu près correct. Donc ici, on va continuer jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout, les amis. Il n'y a pas beaucoup de pêcheurs ici, puisqu'il y a moins de bateaux. C'est assez agréable de voir cette plage. Ça vaut le coup, elle vaut le coup, hein, la plage de Mzoisia. Hein. C'est une très belle plage. L'eau est pas trop très boueuse. Donc ici, on va bifurquer un petit peu vers la droite, rentrer dans les quartiers et puis redescendre au bout de la plage, le côté opposé. Je viendrai en juin, les amis. Non, si on prend la commune elle est grande, mais le village en elle-même, elle est toute petite, Mzoisia. Donc ici, on a la rivière sèche. Et on va rentrer dans les quartiers ici. Je vois quoi. J'espère qu'il va pas m'agresser. Ah. Ça va fait. Hein? Va fait. Bah, les gars. Yo de baraka ya. Ya isuku. Alors, on va essayer de bien contourner. Bon, nous sommes dans le quartier côté plage. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Des petites surprises là. Wow, pas très très surprenant.
Alors ici en face, on a la route principale, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les rues pour voir un petit peu le développement. Ça va? Allez les amis, on n'hésite pas à partager les lives, partager le live, partager, partager. Mzoisia. Alors, on coupe un petit peu. Alors ici, on a les routes qui datent de je sais pas combien de temps là. Voilà l'état de la route. Ici, le côté. Alors voilà quelques déchets ici électroménagers. Bon, la petite portion de route quand même, il faut le souligner. Ici, jusqu'au bout. Ça va, ouais, quoi. Là, ici, on a la mosquée. On a la mosquée de Mzoisia ici. Toujours en travaux. Bon, ça va être un bon résultat après. La construction du minaret. Alors ici on peut choper la vue, on peut choper une vue ici, alors on va voir ce que ça va donner. Toujours se mettre en hauteur pour voir. Oh oh, attention ne pas tomber. Voilà la mosquée, ici en face vous avez la mosquée. Et la construction du minaret ici. Voilà.
Alors, on sort au carrefour ici. Le petit croisement. Vous voyez, là où on est sorti. Alors ici, bon, pas très flagrant, hein. Toujours le même constat. Pas très flagrant ici, hein. Bon, ça peut le faire, hein. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a ici? On va descendre un petit peu quand même. Alors les immersions, c'est en fonction de temps, les amis. Pour ceux qui demandent, là, les immersions, c'est en fonction de l'emploi du temps. C'est pas choisi au hasard. Chaque jour, un live immersion. Coucou toi. Alors ici, oh, c'est super, hein. Il faut enlever cette merde qui est en dessous là. Il y a plein de déchets. Ça, les accumulations qui se cachent sous les arbres parce que la nature a repris dessus. Hein. Donc, à revoir quand même. Alors ici, on est près du stade de foot de Djoisia. C'est en construction, c'est en travaux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est en travaux. Il y a des travaux. Vous le voyez. Donc ici, il y a des travaux pour le stade de foot de Djoisia. On va monter pour voir ce qui s'y passe. Alors ici, on a le stade de foot qui est en travaux. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Aucune idée. Là, c'est ça, il faut vraiment refaire ça, hein. C'est fissuré. Là, il faut vraiment refaire. Donc ici, je vais d'abord monter dans le croisement de la route. Après, on va redescendre.
Alors ici, ok, je vois où on est. Ça, c'est la route qui va vers Buéni. Quand on prend le croisement, d'accord, la route qui va vers Buéni. Donc moi, je vais redescendre ici. Ici, on a le foyer de jeunes. Il est là. Le foyer de jeunes qui est ici. Alors ici, on a une route quand même qui est dégradée ici. Des piscines. Une école maternelle là. Alors ici, il va y avoir la création d'un multisport, un petit plateau ici, je pense. Ils vont faire ça ici. Un plateau ici. Vous voyez, il y a le panneau de projet là, mais ça n'a pas encore commencé. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que ça va commencer. Voilà le problème avec les déchets ici, c'est que ça reste très longtemps. Et puisque ça reste longtemps, ça rentre dans le sable. Vous voyez, ici, ça n'a rien à faire ici, il faut que ça soit ramassé. On a la plage juste à côté. D'accord. Ici, on a la plage tout juste à côté. Et donc, c'est pas très cool. Les routes, beaucoup de piscines, beaucoup de trous. Donc là, on est au bord de la plage. La plage,
C'est là, on va y aller. Hein. Mais d'abord, les petits trous. Hein. Les petits trous de souris. La plage. Ah, ici, le propriétaire, ça l'intéresse pas. Hein. Voilà le côté opposé de la plage. Ça va jusqu'au bout, après c'est les mangroves. Salam alaikum. GG. Moi, fait. Ah, baraka fait. Mzoazia, mzoazia. Donc désolé parce qu'on ne peut pas capter partout, hein. Il y a des endroits où il n'y a pas de réseau. Alors on verra d'ici là à quoi ça va ressembler, ce stade-là. On verra à quoi ça va ressembler, mais ça a l'air intéressant le projet qu'il y a ici. Alors, il faut voir la fin. Donc, bon, en attendant, voilà les déchets dans le stade. En attendant, pas mal de choses ici. Mais je pense que le projet, après le projet terminé, Il y a quelque chose de beau à voir. Mais pour l'instant, il faut faire de l'entretien, il faut enlever tout ça là. Hein? Ça. Thank you.
Alors ici, on a la gendarmerie de Mzoisia qui est là. Alors c'est la sortie d'école, plein d'enfants là qui sortent de l'école. Ici la route qui va vers Bouéni, donc de cette direction là on va vers Bouéni. Ici, c'est les habitations. Donc on va appréhender ce côté-là par ici, on va passer cette route-là. Ah, ici c'est une propriété.
Tomba maure wanba kumtua modu nguwa nanzi. Mtuka tunori mtua lonye. Bui. Oh. Hey, nafahambe gartilo. Nafahambe gartilo. Pas peur toi, il n'y a pas peur lui. Oh mais t'as de souris, ok. Ah, quand t'as plus de temps, bicho. Il est bien dressé en fait. Le chien est très bien dressé. Salam alaikum, ça va? Hein? Ah! Non, tu vas bouger après, tu rigoles. Ça va? Bio tout? Ah! Donc l'école c'est en haut. Donc ici c'est l'école. Détail très important, la route d'accord de d'en bas jusqu'ici là, bah, c'est le même constat hein, vous voyez, et ici on a quoi, l'école primaire, c'est l'école primaire ici, et la route est très détériorée ici. Comme vous voyez, c'est du gravier. Hein. Il y a trop de piscine ici. Donc ici, c'est l'école. Ah, on peut boire, je vais aller boire. Ah, utiliser l'eau. Allez, buvons un peu. Donc, alhamdoulilah. Alors, si on monte un petit peu plus, qu'est-ce que l'on a ? Que l'on a ici.
Alors, résidence, l'Élysée. Il va y avoir une résidence qui va être construite ici. Vous voyez, cette résidence professionnelle particulière. Ah, ça sera là-bas, là. La résidence. Alors là, on a quadrillé rapidement une zoysia. Donc on sort ici, vous voyez, c'est tout petit le village, mais la commune est très grande. Donc notre live va s'achever ici au niveau du croisement pour rejoindre Bonny et le côté nord, Mamoudzou, Chirangui. Donc vous voyez où on est. Ici. Alors le panneau qui est en bas, je sais pas ce qui est écrit là. Majmeouni. Là c'est Majmeouni, le petit village qui est en bas là. Majmeouni. Si on descend un petit peu plus. Mais ça fait pas partie du live aujourd'hui. On combine pas les lives. Là, on différencie bien. Donc, Mzoisia, on a capturé aujourd'hui l'immersion. Je vous laisse avec ces images, les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Les positions de chacun. Voilà ce que ça donne Mzoisia. Non, je marche pas à pied jusqu'à Bonny. Je marche pas jusqu'à Bonny. Aujourd'hui, le village de Mzoisia et puis une prochaine fois peut-être le village de Bonny ou Mramadoudou, etc., etc. Mais chaque live est dédié, ça reste dans un village dédié. Par exemple, si c'est Bonny, ça reste Bonny tout court. On ne va pas rajouter autre village dessus. Donc aujourd'hui, Mzoisia, on reste à Mzoisia. Donc restez connectés sur les actualités, sur les nouvelles immersions, pardon. Restez connectés, ça va venir, on ne s'arrête pas, il y aura des immersions dans d'autres villages, Kanikeli, Kanibé, etc. Partout, on va faire des immersions. Je vous souhaite une très bonne journée. Ah, je bégaye les amis. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous aime les amis.
Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. On est ensemble. D'accord. On est ensemble pour les immersions, pour les actualités, ce que vous attendez, d'accord. Je fais l'effort pour vous montrer Mayotte, quadriller, faire des immersions, faire aussi des vols de drones aussi pour vous donner une autre vision, vue de ciel. Allez, bonne journée, bonne soirée, bisous, je vous aime, que Dieu vous protège.